Nous sommes Lamine Doumbia et Louisa Krause. Nous sommes des chercheurs postdoc donc à MIASA, l'Université du Ghana à Accra, et à l'Université Humboldt de Berlin. Nous avons organisé la conférence Point Sud sur les luttes pour la démocratie en Afrique avec nos collègues Antje Daniel, Sabrina Tsayak et Nina Vinko. Un sujet important de la conférence qui fut financé par la DFK, donc la Fondation allemande pour la recherche. Et cette conférence était la façon dont les mouvements sociaux, sur la façon dont les mouvements sociaux en Afrique ont fait face à la pandémie de COVID-19. Nous nous entretenons aujourd'hui avec M. Nourdine Traoré, du mouvement pour la solidarité et le droit au logement à Ouagadougou, MSP Drol, pour en savoir plus sur la lutte dans laquelle ils se sont engagés et sur la façon dont les dernières années de la pandémie ont été vécues par le mouvement. Ouais, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Traoré. Donc, au début, j'aimerais bien savoir comment vous-même, vous avez commencé à être actif dans ce mouvement et quel est votre rôle dans le mouvement actuellement? Je me nomme Nourdine Traoré. Je suis un jeune engagé et dans le domaine de la défense du droit au logement et à la sécurisation foncière. Oui, disons que tout est parti de mes études à l'université, que j'ai juste pris l'engagement pendant un certain moment au regard d'un certain constat. Je me suis dit qu'il va falloir que je m'engage dans ce domaine. Il s'agit de la protection du droit au logement et à la sécurisation foncière au Burkina en particulier et en Afrique en général. Très bien, merci. Alors, pouvez-vous nous dire les demandes, pour quelles demandes principales le mouvement dans lequel vous êtes impliqué se bat? Comment est-ce que vos luttes sont organisées? Disons que nous, en tant que mouvement citoyen, nous intervenons plus précisément sur la protection du droit au logement et à la sécurisation foncière. Donc, à cet effet, nous sommes sollicités par un certain nombre de locataires dans la ville de Ouagadougou et ailleurs sur le territoire national pour permettre de faire la médiation entre locataires et bailleurs. Et en plus de cela, nous intervenons également pour la protection des couches vulnérables, notamment la jeune féminine, c'est-à-dire les veuves, les orphelins qui rencontrent des difficultés et en matière de logement. Donc, dans ce cadre, nous avons également, en tout cas, l'opportunité de pouvoir faire le plaidoyer pour l'application des textes en matière du droit au logement et à la sécurisation foncière au Burkina. Est-ce qu'il y a, qui sont les autres gens qui sont genre impliqués dans ce mouvement, qui travaillent avec vous, qui est dedans? Oui, moi personnellement, je suis juriste de formation, donc j'interviens pour l'assistance juridique et judiciaire. Je suis chargé d'analyser les dossiers et de faire des recommandations, faire les plaidoyers auprès des autorités et faire ressortir les insuffisances des textes. Et nous assistons aussi de manière continue les personnes dont nous n'arrivons pas réellement à résoudre les difficultés à travers la médiation foncière. Donc, nous sommes contraints de faire des mémoires en défense et les mettre en contact avec des avocats de grande renommée au Burkina ici qui va les assister auprès des juridictions compétentes afin qu'ils puissent obtenir gain de cause. À côté de ça, nous avons des personnes ressources telles que les chefs coutumiers. Nous avons à côté de ça également des jeunes engagés, dynamiques, qui sont prêts à nous, en tout cas, appuyer
pour l'animation de nos conférences. On a aussi certaines autorités qui sont intéressées au mouvement et qui sont membres du mouvement et qui nous appuient autant au potin. Oui. Merci. Oui, merci beaucoup, Nourdine. Ça, c'est vraiment très intéressant. Déjà, on peut continuer à demander s'il y a quelque chose, par exemple, que vous avez réussi à accomplir et avec le mouvement et dont vous êtes particulièrement fier. Oui. Ah oui, tout à fait. Nous, à notre niveau, disons que nous, dans le cadre de nos activités de médiation foncière, nous avons eu à intervenir pour résoudre un conflit foncier liant deux familles de deux villages différents. Donc, au courant la résolution de cette crise-là, il se trouve que une famille a décidé de céder une portion de terre qu'elle estime l'appartenir et que par la suite, la famille du village voisin s'est opposée. Quand la famille du village voisin s'est opposée, il a fallu que nous intervenions pour pouvoir résoudre ce conflit. Parce qu'au début, il a failli avoir même des affrontements. Et à un certain moment, lorsque nous avons entamé le processus, nous avons rencontré toutes les parties prenantes. Nous avons rencontré les chefs coutumiers, nous avons rencontré les CVD, nous avons rencontré les autorités locales, notamment le maire. Nous avons rencontré les différentes parties et après, par la suite, il se trouve que le cessionnaire lui-même, en sa qualité de promoteur immobilier, il n'avait pas mesuré l'ampleur de la situation. Donc, il a fallu que nous rencontrions le cessionnaire pour lui faire comprendre que le terrain dont il est bénéficiaire est objet de litige et qui divise des milliers de personnes parce que c'est deux familles et c'est des milliers de personnes. Donc, nous avons travaillé à rapprocher les deux familles et en plus de cela, nous avons travaillé à rapprocher les autorités, à les faire comprendre, oui, le nœud du problème. Et finalement, nous avons pu résoudre le problème en obtenant vraiment un protocole d'accord entre les différentes familles et le cessionnaire qui est la promotion et le promoteur immobilier. Donc, du coup, nous avons fait relayer l'information au niveau des autorités locales et ça a permis réellement à résoudre notre problème, le problème qui liait et qui opposait les deux familles. Donc, disons que c'est ce qui nous tient à cœur, c'est plus ça, parce qu'il est question de social, il est question de division des familles. Donc, d'où aussi, nous savons bien qu'au regard de la conjoncture nationale, et qu'on a des problèmes sécuritaires, il ne faut pas permettre qu'il y ait ce genre de conflit. Très rapidement, je vais juste ajouter également le cas de bail locatif, parce que nous intervenons en plus de la sécurisation foncière, on intervient dans le domaine de la protection même directe du droit au logement. Donc, en ce qui concerne ce domaine-là, il se trouve qu'il fut un moment où j'ai reçu personnellement un locataire qui est venu faire savoir que son bailleur lui est mis à la porte parce que tout simplement il n'arrivait pas à honorer à ses engagements, voilà, et qu'il se trouve qu'il n'a personne, il ne connaît personne au Burkina parce que tout simplement il est citoyen d'un pays étranger et qu'il se trouve que il ne connaît personne, voilà, et qu'on lui est mis à la porte et qu'on a même fermé la porte à clé, voilà. Mais heureusement, grâce à notre intervention, nous avons amené le bailleur à la région, nous lui avons fait comprendre qu'il y a des textes qui encadrent le domaine. Résumant, grâce à notre intervention, il a pu accéder à sa maison et qu'on a pu résoudre le problème à l'amiable dans la mesure où il lui est permis tout simplement de pouvoir faire quoi? De pouvoir payer ultérieurement en prenant des engagements parce que tout simplement, il n'était pas de mauvaise foi, mais c'est compte tenu de la COVID-19 qu'il n'a pas pu réellement à honorer à ses engagements. Il a eu 3 mois d'arriéré de loyer parce que tout simplement son employeur a décidé de ne plus le payer. En fait, c'est déjà en partie de notre prochaine question parce que vous avez déjà mentionné le COVID-19
Et bien sûr, nous intéresse beaucoup comment ou quels étaient les principaux défis pour votre mouvement à Burkina Faso, quelle était la situation, qu'est-ce que ça a fait pour votre mouvement? Nous avons rencontré assez de difficultés en ce qui concerne même la réalisation de nos activités. Parce que si vous voyez un peu en matière de la protection du droit au logement et de la sécurisation foncière, et il faut retenir que la majorité de la population ignore même l'existence des textes. Donc, d'où nous travaillons à notre niveau à sensibiliser la population. Qui dit sensibilisation dit regroupement. Qui dit regroupement aussi dit également le non-respect des mesures de distanciation sociale. Voilà. Et pourtant, vous savez bien que compte tenu de la pandémie, les autorités ont été contraintes de prendre des mesures pour permettre à la population de ne pas être le vecteur de transmission de la pandémie. Donc, ce qui fait que, du coup, nous, à un certain moment, nous avons rencontré des difficultés à organiser nos assemblées générales de sensibilisation. Parce que nous organisons des assemblées générales de sensibilisation dans les quartiers précaires. Et oui, qui dit assemblée dit regroupement d'une multitude de personnes. Donc, nous avons franchement rencontré des difficultés parce qu'à un certain moment, on ne pouvait plus organiser ces assemblées générales. Et s'il faut le faire, il faut tenir compte aussi des mesures barrières. Et pourtant, vous savez bien qu'un mouvement comme le nôtre, nous n'avons pas des moyens pour pouvoir le faire. Donc, parce que ça demande un certain nombre de matériel que nous n'avons pas, puisqu'on n'a pas réussi de dotation dans ce domaine. Et ce qui fait que ce n'était pas aussi prévu dans notre budget. Le peu que nous avons, c'était assez compliqué pour nous, d'où nous étions contraints de revoir en fonction de l'urgence. Nous intervenons dans les domaines et dans ces quartiers précaires pour la sensibilisation, mais nous avons réduit franchement nos activités. Question de ne pas être aussi le vecteur, parce que nous disons que nous sommes le remède de la société, parce que d'autant plus que nous sommes là pour résoudre un problème crucial qui est le droit au logement, nous ne devons pas être le vecteur de transmission de ce virus-là. Donc, on était contents de revoir même notre programme pour réduire les activités et aussi voir au niveau de notre siège mettre en place un dispositif sanitaire, question de pouvoir éviter la transmission de cette pandémie, voilà, qui est la COVID-19. Disons que la COVID-19 a touché un peu à nos objectifs. Bon, disons même que ça a été frein à l'atteinte de certains de nos objectifs. Mais en dépit de cela, nous sommes dit qu'il faut être résilient, puisque c'est une question conjoncturelle et non structurelle. Nous sommes dit que oui, nous pouvons vaincre cette COVID-19 et qu'en dépit de la pandémie, nous devons continuer à vivre. Nous devons aussi continuer à sensibiliser. Nous devons continuer à faire le plaidoyer. Disons que, étant donné que nous faisons le plaidoyer auprès des autorités publiques et privées, il arrivait des moments où nous déposons des demandes d'audience et que ces autorités sont réticentes à nous recevoir. Parce que, tout simplement, oui, il faut aussi tenir compte de ces mesures barrières et qu'à un certain moment aussi, qui dit plaidoyer, il faut aussi faire de telle sorte que ce soit un contact direct. Ah oui, quelle belle question. Voilà, nous, à notre niveau, on a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets, on a des dossiers qui sont en instance compte tenu de la COVID-19. Docteur Doumbia même peut le témoigner parce que nous avons un dossier qui nous tient à cœur concernant le dossier des riverains de la zone industrielle de Polosogo. Polosogo, c'est un quartier de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou. C'est un dossier qui nous tient à cœur parce que ces riverains-là souffrent de la pollution de l'air des usines de cimenterie. Que nous devons poursuivre le traitement de ce dossier, aller jusqu'au bout et à obtenir le relogement de ces populations. Donc, il s'agit d'un problème de santé publique et donc nous il s'agit également d'un problème social, donc c'est vraiment un des dossiers qui nous tient à cœur.
Mais entre autres, il faut retenir aussi que nous, notre objectif est qu'on aimerait qu'un jour, nous, en tant que mouvement, nous puissions faire de telle sorte qu'on puisse construire des logements sociaux à des coûts assez réduits au profit de la population. Et c'est-à-dire se constituer en une coopérative d'habitat et nous permettre de pouvoir construire ces logements au profit des couches vulnérables de la population burkinabé. Et que tout citoyen burkinabé pourra accéder à un logement décent et cela à un coût assez réduit. Et même le loyer sera étudié de telle sorte qu'on puisse tenir compte des couches vulnérables. En plus de cela, nous avons des projets en ce qui concerne même la vulgarisation des textes. Puisque le Burkina, disons que le Burkina a fait l'effort pour ratifier des conventions internationales en matière de protection des droits de l'homme, plus précisément le droit au logement. Mais il se trouve qu'en dépit de cet arsenal juridique, nous souffrons toujours des incompréhensions de la population. Nous vivons toujours le problème foncier et que certains même se permettent de dire que le foncier est une bombe à retardement. Mais nous, à notre niveau, nous disons le contraire. Le foncier ne doit pas être une bombe à retardement, mais plutôt le foncier doit être une source de revenus pour la population. Merci beaucoup, M. Traoré. C'était très intéressant.